Je remplace Dr Schlieff pour vous présenter ce travail. Donc, permettez-moi de vous présenter un travail mené au service de néphrologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca et qui s'est intéressé à l'insuffisance rénale dialysée de l'enfant. Donc, la dialyse pédiatrique comprend principalement deux modalités, l'hémodialyse intermittente et la dialyse péritoniale. Le choix de mode de dialyse est discuté en fonction du contexte familial et de la pathologie de l'enfant. La prise en charge de l'enfant en insuffisance rénale représente un véritable défi en raison des difficultés liées à la dialyse pédiatrique en elle-même. Le but du traitement est d'assurer la survie de l'enfant et permettre sa croissance et son développement psychomoteur dans les conditions les plus harmonieuses, tout en préservant sa qualité de vie. L'enfant est en effet un enjeu de la société, une priorité du système de santé, car un enfant en IRCT est un adulte greffé dans l'avenir. Les objectifs de ce travail étaient de déterminer la fréquence de l'insuffisance rénale en pédiatrie nécessitant la dialyse, ainsi que ses indications, d'identifier les principales étiologies de l'insuffisance rénale de l'enfant et le choix de la technique de suppléance rénale et de l'accès vasculaire. Donc, pour ce faire, nous avons mené une étude rétrospective monocentrique au niveau du service de néphrologie du CHU Ibn Rushd de Casablanca sur une période qui s'est étalée sur 32 mois. La population cible était les enfants dialysés en urgence et les données ont été recueillies à partir du registre de dialyse aiguë. Donc, pour les principaux résultats, 27 nourrissants et enfants ont été colligés. L'âge moyen était de 11 ans avec des extrêmes allant de 11 mois à 17 ans. On a noté une prédominance masculine avec un pourcentage de 70%. L'insuffisance rénale était chronique dans 10 cas et aiguë dans 17. Pour ce qui est des étiologies des insuffisances rénales, il s'agissait d'une néphropathie glomérulaire dans 30% des cas, vasculaire dominée par le syndrome hémolytique et urémique chez 15%, tubulo-interstitiel dans pratiquement 26% et la cause était indéterminée dans 29% des cas. Passons maintenant aux indications. Donc, les indications à la dialyse d'urgence étaient dominées par l'encéphalopathie urémique dans près du tiers du cas, suivie par l'anurie dans 25% des cas, l'hypercalémie chez 22% des patients, l'acidose sévère et l'OAP représentaient les indications de dialyse dans 7% des cas respectivement. Concernant les techniques de suppléance, l'hémodialyse conventionnelle intermittente était le choix thérapeutique dans 70% des cas contre 29% pour la dialyse péritoniale. Pour ce qui est des abords vasculaires utilisés pour la suppléance, nous avons eu recours à un cathéter fémoral dans 45%, un cathéter de dialyse péritoniale dans 29% des cas, un cathéter jugulaire d'hémodialyse était utilisé dans 12% des cas, une fistule artério-veineuse dans 7,4% des cas. L'évolution de nos patients était comme suit. 10 patients avec insuffisance rénale chronique terminale ont été référés par la suite au centre d'hémodialyse. 2 enfants ont été perdus de vue. Pour les autres patients, l'évolution était favorable chez 8 patients qui ont récupéré une bonne fonction rénale et était défavorable dans 7 cas. Donc nous avons déploré 2 décès dans un contexte de choc septique et 5 patients avaient des séquelles rénales, donc de maladie rénale chronique. Passons maintenant au chapitre discussion. Donc, 2 causes d'insuffisance rénale prédominent en pédiatrie, les syndromes hémolytiques et urémiques, et les insuffisances rénales secondaires à une hypoperfusion rénale. Chez les nouveau-nés, l'insuffisance rénale est principalement aiguë et principalement associée aux situations de souffrance fœtale aiguë. Le risque de lésion rénale irréversible avec insuffisance rénale chronique séquellaire est variable selon les étiologies et la durée de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, plusieurs techniques d'épuration extrarénale sont disponibles en réanimation pédiatrique, l'hémodialyse intermittente, la dialyse péritonielle et l'hémodiafiltration continue. Il n'existe pas d'études prospectives ayant évalué l'influence des modalités d'épuration sur le devenir des enfants en insuffisance rénale aiguë. Le choix de la technique dépend des spécificités liées aux patients, mais également à de nombreuses autres considérations, comme les ressources techniques, les compétences disponibles dans chaque centre, les buts de l'épuration extrarénale et les avantages et les inconvénients de chaque technique. La dialyse péritoniale reste la technique de choix chez les nourrissants et les jeunes enfants, malgré la place de plus en plus grande prise par les techniques d'HFC, en particulier dans le traitement des défaillances multiviscérales. Les avantages de l'ADP par rapport aux autres techniques sont la préservation de la diurèse résiduelle, la bonne tolérance hémodynamique, un régime alimentaire plus libre, la protection des abords vasculaires, qui est un élément crucial, surtout s'il existe un risque d'évolution vers une insuffisance rénale chronique, le coût de la technique qui est plus faible que l'hémodialyse ou l'hémofiltration continue, ainsi que la meilleure qualité de vie et la socialisation de l'enfant grâce au progrès des machines automatisées. Donc, pour conclure, la prise en charge de l'enfant en insuffisance rénale doit être rapide et multidisciplinaire et doit tenir compte des contraintes familiales et techniques et nécessite le recours à un soutien socio-scolaire et psychosocial. La dialyse péritoniale reste la technique de préférence, y compris chez les nouveau-nés de très poids, petit poids de naissance. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Des questions dans la salle ?
demander pour le recrutement. Est-ce que ces patients, ils sont de votre région ou viennent de plus loin? Parce que je sais qu'il y a un gros problème dans la prise en charge de l'insuffisance rénale des tout-petits, essentiellement. Le grand enfant, on l'assimile un peu à un jeune adulte, mais les tout-petits, il y a un vrai problème dans tout le Maroc. Donc, votre recrutement, il est local ou il est national? En fait, le CHU de Casablanca, il draine des régions, la région du Grand Casablanca, mais également des régions un peu éloignées. Donc, en fait, les enfants qui étaient inclus, ils provenaient de régions différentes. Donc, du Grand Casablanca et des régions un peu plus éloignées. Oui. Bon, je vous remercie. Donc, on arrive au terme de notre session. Et on remercie Madame Merci. Merci pour votre attention et je remercie tout particulièrement tous les orateurs qui étaient aujourd'hui très brillants et donc on cède la place pour la suite.